Je sais que la vidéo commence déjà très bien. Yo, what's up les fous, ici Zach de retour pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et une petite vidéo bien sûr, car je vous ai déjà expliqué la semaine passée ce qui allait se passer. Alors un petit rappel juste pour vous les fous, à partir de la semaine prochaine sur mon Discord je mettrai une annonce, il y aura des nouveaux horaires de live. Et vous en faites pas, les vidéos vont reprendre tous les vendredis et on ira sur des jeux ou d'autres thèmes. Mais là aujourd'hui vidéo spéciale, je vais vous parler dans le programme d'études que je suis et du cadeau que j'ai reçu de la part de la famille de ma mère. Pour mes études, un ordinateur gamer qu'on va découvrir ensemble. Alors première chose les gars, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, ils savent que je suis en technique d'intervention en criminologie, ce qui consiste en tant que tel de aider les individus, que ça soit à travailler avec la police ou dans les pénitenciers ou dans la protection de la jeunesse ou autre. Je vais commencer quelques stages cette session pour explorer un peu les différents domaines pour voir comment ça se passait. Concernant les horaires de live, les fous, vous en faites pas. Ça sera passé sur Discord. Encore là, je sais pas ça sera quoi, mais j'ai une petite idée, mais je préfère éviter de donner de fausses informations pour le moment. Bon, c'était rapide, là on passe aux choses sérieuses. The PC Gamer, tabarnak. Alors on va ouvrir ça, on va le découvrir ensemble, c'est quoi. Je vous préviens, cet ordi va me servir pour les études, mais en même temps, pour pouvoir garder communication avec vous, parce que, pour ceux qui savent, les études, c'est quelque chose, il se peut même que je me déplace quelque part d'autre dans les études et que j'aurai pas accès à ma chambre, alors du coup, j'aurai ce PC pour m'aider. Alors, on va ouvrir la boîte. Laissez-moi voir avant de vous le montrer. Ah non, vous savez quoi, je vais vous le montrer en premier. Vous me faites une réaction dans les commentaires et après, je regarde, d'accord? Allez, c'est parti, je vous laisse regarder. Et c'est beau. Ah merde, on voit rien, attendez, je vais regarder. Ah ouais, il est là! Ah ouais, il est là! Ok, ok, attendez. Bam! Oh my god, ici on voit le logo. Ok, ok, attendez, on va regarder ça après. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte d'intéressant déjà dehors? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, mon doigt! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi ça? C'est écrit ici. In search of incredible. On s'en fout, ça doit être un petit guide qu'on s'en bat totalement. Ici, c'est écrit HDMI. Alors, on peut brancher un câble à HDMI. Alors, du coup, soirée Netflix qu'on branche sur la télé, vous savez, Netflix and chill. Pareil, n'importe qui là, bien sûr, what the fuck. Faites pas de bêtises là, le chat, hein, je vous connais. Hein. Bon, en temps normal, un portable, ça doit venir avec un adaptateur, non? Ah! Oh, ok, ok, alors regardez ça. Alors, ici, j'ai un adaptateur. J'imagine que je dois retirer le plastique, on est d'accord, hein. Mais l'adaptateur, il y a le logo. Le voilà, on voit ici le logo. Oh putain, ça reflète trop sur mon écran. Et voilà, bon, en tout cas, je vais essayer de l'approcher. Bon, allez, on va le sortir du plastique, c'est parti. Comment on ouvre ça? Ah, du ASMR, ça fait longtemps ça. Ouh! Oh putain, ça sent le plastique. Allez, on le sort de là. La couleur, elle est belle, ok. Ah ouais, la couleur est belle, regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle couleur. C'est même écrit ici sur le côté, ah non, on le voit pas, c'est trop sombre, mais ici... Non, pardon, à partir d'ici, c'est écrit le nom Rug. Non, on le voit mal. Mais en tout cas, derrière, c'est badass. On va ouvrir ça, voir ça ressemble à quoi. Ah ouais... Là, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je le trouve déjà assez stylé, c'est sûr qu'il est pas allumé. Et je veux pas l'allumer maintenant, parce qu'il faut que je charge. Il y a un truc qui dit 8 coeurs, Wi-Fi certified, ok, mais ça on s'en fout. Ah oui, Nvidia GeForce RTX 3060 ou 3070, je me rappelle plus trop c'est quoi. En tout cas, je vais vous dire c'est quoi les composants qu'il y a dans le portable les gars, mais voici à quoi il ressemble. Bon alors les fous, moi je m'y connais pas très bien dans les composants d'ordi, si c'est bon ou mauvais. Vous me le ferez de savoir dans les commentaires selon vous si c'est bon ou non. Mais voilà, je vous donne les informations que j'ai. Alors déjà pour commencer, c'est la carte graphique, c'est une Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Moi c'est bon, et c'est mieux que ma carte graphique que j'ai dans mon ordi déjà. Le GPU pour ordinateur portable, c'est du GDDR R6 4GO. Il y a un processeur de AMD Ryzen 7400... Non, c'est 7000... Non. Attends, quoi? Unité... Ryzen 7. Ouais, attends, je sais, Ryzen 7, hein. Unité... 64... Ok, alors j'ai une AMD... comme processeur, j'ai un AMD Ryzen 74800H processeur 2,9 GHz. Il peut aller en boost jusqu'à 4,2. J'ai un écran de 144 Hz.
Voilà quoi, on s'en fout. Concernant ma RAM, c'est un DDR4 CSGO avec une SSD de 512 Go de mémoire. On va aller voir autre chose. En passant, j'ai un système de refroidissement thermique à l'intérieur, intelligent en tant que tel. Concernant les composants qui disent, c'est pas mal ça. Il y a le Bluetooth de relié comme tous les portables. Le reste que je vais vous dire va vous sert de rien. Alors, pour faire simple, pourquoi j'ai reçu ça comme cadeau, les fous, je vous explique. Parce que mon portable étudiant que j'avais déjà de base, il n'est plus bon, il est trop lent, je peux plus rien à faire, ça fait environ 6 ans que je l'ai. Et là, j'avais besoin d'un nouveau portable étudiant. Mais pourquoi c'est un portable gamer et non étudiant? Parce que c'est simple, les gars. Pourquoi ne pas avoir les deux reliés ensemble? Si, admettons, un jour, je pars en voyage, je vais chez des amis, ou admettons, on va dire je suis à un hôtel, ou si je suis parti à l'extérieur de chez moi pendant un certain nombre de temps, bah, au moins je pourrais rester en communication avec vous, et même je pourrais même faire des montages en dehors de chez moi durant mes temps qui sont trop. J'ai un trou dans mon horaire en tant que tel. Enfin bref, voilà. Bah écoutez les fous, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ouais, je pense que vous voulez que j'allume l'écran dès que j'ouvre l'ordi, je pense que ça serait quand même une bonne idée de l'ouvrir. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ok, je vais faire un effort, donnez-moi 2 secondes. Là. Du coup, je voulais voir comme ici, je sais où que la lumière pour voir si l'ordi est en train de charger. Alors, on va l'ouvrir devant vous et ça sera la fin de la vidéo, les gars. Parce que moi, je dois partir au dentiste en même temps. Mais c'est la 3, 2, 1. Boum. Oh, pas pire. Ok, de la lumière et tout. Au-dessus aussi, ça fait de la lumière, si vous pouvez le remarquer. Mais bon, ça me dérange un peu. En arrière, ça fait pas de lumière. Non, en arrière, ça fait pas de lumière. Ça le fait juste devant. Oh shit, ok. Directement Republic of Gamer. Ok, les fous. Bah écoutez, ici Zek. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo gaming ou un challenge, on verra. On décidera ensemble. Si vous avez des idées, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et on se verra sur mon portable durant la semaine, vu que je recommence les cours la semaine prochaine. Du coup, vous me verrez de temps en temps sur le portable. Sur ce, ciao ciao tout le monde. Peace.